Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. 5 choses super flippantes capturées dans des tunnels. Numéro 1. Ребята! Ребят! La vidéo commence avec un youtubeur du nom de Beyond. Son nom est Nick et il explore des endroits abandonnés et flippants. Dans une vidéo assez creepy, Nick explore une série de tunnels super serrés avec ses amis. L'entrée du tunnel est tellement petite que Nick doit enlever son sac à dos pour pouvoir traverser. Alors qu'il était en train d'enlever son sac à dos, ses amis l'ont devancé. Mais quand il les appelle, personne ne répond. Ребята! Ребят! Ребят! Il se retrouve tout seul, et le pire, c'est qu'il est perdu dans cette série de tunnels qui n'en finit pas. Il est forcé de ramper sur son ventre et de passer en dessous de plusieurs chauves-souris pour trouver ses amis. Ой, блядь, какая хуйня там! Ой, блядь, я так испугался, ребята. Смотрите. Et comme si ce n'était pas assez flippant, sa caméra a commencé à faire des choses super bizarres. Блядь, пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь. Что это камень? Да хули я так боюсь. Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Как будто моторчик в камере завелся и начал ходить туда. Il arrive devant une mini falaise à l'intérieur de la caverne. Il essaye de l'escalader, mais quelqu'un ou quelque chose n'est pas vraiment d'accord et lui jette des pierres. Горы. А теперь в такую же гору надо подниматься. Ох. Ребят. Après quelques minutes, la batterie de sa lampe torche est en train de mourir quand il entend quelque chose qui l'enverra courir dans la direction opposée. Un moment. Я хочу сказать, что здесь тупик, и мне надо возвращаться побыстрее назад. Il décide d'arrêter de chercher ses amis et de sortir par où il était entré. Mais même son sac à dos n'est pas resté indemne. Quelque chose ou quelqu'un a balancé tout le contenu. Oh, все. Да ну, подождите, ребята. Что за бред? Ребят, здесь кто-нибудь есть, ребят? Nick dit qu'il n'a pas remarqué les yeux qui le regardaient de manière intense. Heureusement que sa caméra a tout capturé. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que Nick a capturé quelque chose de paranormal? Ou est-ce une mascarade? Est-ce que ces deux points luisants sont effectivement des yeux? À toi de décider dans les commentaires. Selon YouTube, seulement 19,3% de vous sont abonnés à la chaîne. Mais what? Si tu aimes mon contenu, abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis plus tard. Mets un pouce bleu sur la vidéo car ça aide pour l'algorithme de YouTube. Merci. Numéro 2. Sur la route. Au début de cette vidéo, je me disais que ce motard était vraiment fou pour conduire comme ça dans un tunnel. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas un motard, mais un cycliste. What? La vidéo se passe en Russie, bien sûr, car ce mec est vraiment un foufou.
Bon, plusieurs personnes vont me dire que c'est du sport de l'extrême et que chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Je ne suis pas d'accord, car ce monsieur met en danger la vie de plusieurs personnes. Car quand il coupe à droite et à gauche, il oblige les voitures à faire un coup de frein de manière subite. Quelqu'un pourrait même faire un coup de volant et s'écraser dans le mur du tunnel. Et puis quand il se heurte aux planches que portait ce camion, une pancarte tombe. Cette pancarte, les amis, est un signal qui fait savoir aux voitures derrière le camion qu'il porte quelque chose de très très long et qu'il faut laisser une grande distance entre les deux véhicules. Bref, pour ma part, cette vidéo est un cauchemar sur roue et personnellement, je n'aimerais pas conduire avec quelqu'un du genre sur la route. Numéro 3. Le tunnel de Riz. Le tunnel de Riz est un tunnel édifié par les Allemands en 1943. Il est composé de sept structures souterraines situées dans les montagnes Hall et du château de Xia, en Basse-Silésie, qui était en Allemagne mais est maintenant en Pologne. Aucun d'entre eux n'était terminé et tous sont dans des états différents d'achèvement, avec seulement quelques petits tunnels renforcés par du béton. Le but du projet reste incertain, en raison du manque de documentation. Dans cette vidéo, un groupe d'explorateurs polonais décide d'explorer les tunnels sombres et humides du projet Riz quand ils font la rencontre d'un personnage inattendu. Un utilisateur sur 4chan a joué sur la luminosité de la vidéo et en dirait qu'il a réussi à mettre en évidence la créature. On dirait que c'est une petite créature accroupie qui court sur ses pattes arrière. Ça me rappelle Gollum. Je n'ai aucune explication à donner, car ça peut bien être un de leurs amis qui a mainmise et qui joue le jeu. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce le fruit d'une expérimentation allemande? Est-ce une créature mystérieuse? Ou est-ce une mascarade? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Numéro 4. Chou Chou. It's a train. Trois jeunes garçons décident d'explorer un tunnel qu'ils croyaient abandonné. Même avec plusieurs lampes torches, le tunnel reste super sombre et ils n'arrivent pas à voir plus que 50 mètres à peu près. Au début, ils prennent leur temps, pépère quoi, rien ne presse. Mais après avoir passé plusieurs minutes à s'engouffrer dans le tunnel, ils se rendent compte que le tunnel était super long. Nerveux, ils se mettent à courir en direction de la sortie quand un d'eux dit ce qui suit. Hold on, hold on. I thought I heard something. Where's the door? Where's the door? We're probably barely halfway. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas sortir à temps, ils décident de se coller au mur du tunnel et de prier. Heureusement, rien de grave n'est arrivé, seulement une poussée d'adrénaline. Je suis sûr qu'après cet incident, ils n'oseront plus jamais entrer à l'intérieur du tunnel. Numéro 5. Perdu dans l'asile. C'est au Canada que cette vidéo est filmée. Elle se passe dans les tunnels qui se trouvent au-dessous d'un asile. Je ne sais pas pourquoi il y aurait des tunnels au-dessous d'un asile, mais bon,
trois jeunes hommes décident d'aller explorer l'intérieur de ces tunnels quand l'un d'eux disparaît de manière inopinée. Ils le cherchent pendant un bon moment, mais arrivent à la conclusion que leur ami n'était plus là. Matt? Oh, I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt? What on us? Why is he... I saw behind me 5 seconds ago when he was there. You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Regarde la vidéo une deuxième fois et concentre-toi. Comme tu peux le voir, une personne se tenait à l'intérieur du tunnel. Elle était habillée en patient et a fait flipper les jeunes hommes comme pas possible. Certains disent que cette figure serait le fantôme d'une patiente qui serait morte dans l'asile de manière mystérieuse. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce un fantôme ou est-ce un petit coup monté? Laisse-moi ton avis dans les commentaires.